les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 17 sur Crisis Core Final Fantasy 7 Réunion. Alors, j'ai farmé un petit peu les missions, les amis. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai déverrouillé toutes les missions, entre guillemets. J'en ai réussi la plupart, il y avait des anciennes que je ne réussissais pas à faire jusqu'à maintenant. Et voilà, hein, vous pouvez voir qu'on a quand même bien avancé. Alors, qu'est-ce qui a changé? Outre d'autres matériels qui sont passés en maîtrise, on a également obtenu des accessoires un peu plus puissants, notamment un bracelet en platine qui augmente les PV maximum de 50%, donc ça, c'est quand même appréciable. Au niveau des matérias, on a quand même pas mal de petites matérias, hein. Vous voyez que qu'on en a quand même de différents types, des améliorations de matériaux qu'on avait déjà de base. Donc voilà, on a des foudres, etc. Vu qu'elles sont passées en maître et qu'on en a gagné également dans les missions. Voilà, donc on a des extras, des méga, saignées. Voilà, des méga foudres infernales. Voilà. Des petites matérias comme ça, méga foudre triple. Voilà, donc pourquoi méga foudre triple? Est-ce que ça fait plus de dégâts? Je ne sais pas. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà. Au niveau de l'OCN, alors on a eu Bahamut Fury. Voilà, on a également progressé dans quelques OCN. Vous voyez qu'il y en a qui sont passés à 100%. Et en OCN, il nous en manque que 3, hein, mine de rien. Donc, on voit, donc suivant les ombres qu'il reste, il va rester. Alors, je crois que ça s'appelle un Pampa. C'est une sorte de cactus. Il va nous rester un Bahamut. Et il va nous rester, je crois que c'était un pot de... c'était un pot de... De je ne sais plus quoi. Alors je sais plus, c'était... Mission... attendez... Où est-ce qu'on pouvait voir? Non, je sais plus. Au niveau des boutiques, on en a déverrouillé des nouvelles. Hein. On a boutique secrète du Wutai, la tortue joyeuse. Celui-là, on l'avait déjà. Boutique du secteur 7. Très très bien. Ah, il y a des trucs pas mal aussi, hein. Gant de voleur, amulette mog, méga potion. Ah, ça c'est bien ça, qu'on puisse en acheter. On va s'en acheter des méga potions. La tortue joyeuse. Ok. Alors éventuellement. Attendez, on va faire un petit tour un petit peu hein, de tout ça. Très très bien. Le méga potion, donc ça on l'avait vu. Ok. Ok. Et on a pas mal... Ah bah voilà, c'était là-dedans. Et on a pas mal de messages à lire. Alors, attendez. Ouais, donc ça, c'est fait. Plus de chocobo obtenir. Le talisman de Mog. Non, ça, on l'a. Ah, l'épine de Pampa. Voilà.
Récompense de la mission 10-1-3. Donc il nous manquera celle-là. Le pot magique 10-2-3. Il va nous manquer, voilà, le pot magique. Et ben, il nous restera une Bahamut. Allez, boîte de réception, on va lire un peu tout ça. Rapport sur l'exploration spatiale, la prochaine étape du développement industriel de la Shinra a pour objectif de construire un moteur de fusée. La fusée Shinra numéro 26 est en pleine production et devrait être introduite sur le terrain dans quelques années. Le modèle numéro 26 de la Shinra est visible dans la salle d'exposition de la tour Shinra. Le développement se déroule sans encombre et notre pilote Sid Agwand a d'ores et déjà commencé l'entraînement. Ah, donc là, on nous parle de Sid, évidemment. Au nouveau membre, fan club de Zack, puisque maintenant, Zack a un fan club. Nous avons l'honneur de vous annoncer la création d'un fan club en l'honneur de Zack, le première classe le plus en vue du moment. Pourquoi? Parce qu'il n'en existait pas encore. Votre numéro de membre est le 12. Voici le profil officiel de Zack. Lieu de naissance, Kongaga. Famille, mère et père, loisirs, voyage et activités physiques. Citation, je veux faire partie des soldats et parcourir le monde. Je me ferai des amis partout où j'irai et je nagerai jusqu'où ils habitent. Ok. Et tout ça, c'est... C'est en rapport avec l'émission qu'on avait fait. Il paraît qu'il y a un super trésor au fond des cavernes. Ok. Hein. Très bien. Et voilà. Donc, voilà, voilà. On est à 5% de l'épée broyeuse. Et puis, voilà, j'avais fini également l'émission. J'avais fini l'émission où il fallait rechercher les espions du Wutai. Et puis voilà, je pense que on a fait un peu. Donc là maintenant, souvenez-vous, on va devoir donner le matériel pour construire le chariot pour Tifa. Pour Aeris, pardon. Donc on va se rendre au secteur 5. On va prendre la direction de l'église. Et on va continuer l'aventure, les amis. Attendez, c'est par là. Hein. Ouais, c'est par là. Parce que normalement, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir lui construire son chariot. Ah oui, souvenez-vous, il y a... Il y a le monstre Angel. Welcome back, Zack. Looks like you got the materials. Okay, let's start making the wagon. Matériel donné à Aeris, outil d'occasion, vieux bois ou usé, manuel de fabrication. Wow, it looks really good. The materials are matching perfectly. Not quite what I expected. Really? I think it's fine. It's all about the flowers anyway. I want the nicer one. Stop being so picky. A tiny little wish. That's all. They're tiny, but you have lots, right? That's right. Wanna hear? How many you got? 23? Write them down, so I don't forget. There are new developments. What? Headquarters, now. Work stuff? Sadly. Here. Mm-hmm.
Legions of monsters have spawned near a regional Mako reactor. The workers have all gone missing. Local soldier operatives have also vanished. The company is dispatching additional operatives to investigate the matter. You and I, that is. Roger that. What's wrong? Well, you know. I thought you found something out about that other matter. The missing operatives were the ones tracking Lazard. What? Also, they have reported a strange pod-like device in the area. Is that Hollanders? Probably the same device that was stolen in Lodeoheim. Meaning? Lazard, Hollander, and Genesis? We'll have to go see them. Let's go. First, go to the soldier floor. We'll depart as soon as you and the rest of the men are ready to go. Understood. Our orders are to investigate the reactor. They mention nothing of old friends. Depending on what happens, I may abandon Shinra. Until then, I'll remain loyal to Soldier. Et là où on va aller, eh bien, vous verrez, si vous avez vu FF7 original. I heard you're going on a new assignment with Sephiroth. I'm being sent to Fort Condor to inspect the reactor. I guess it's goodbye. Yeah. Goodbye, huh? Huh? Does saying goodbye to me make you that sad? Ah, right. You must really be in love, Zack. Hey, you still have time, right? Go see her before you leave. Don't worry about it. I'll explain everything to Sephiroth for you. Allez retrouver Iris à l'église. Hey, you still have time, right? Ok, mais avant ça... On va aller dans la salle de briefing. Non, il n'y a rien pour moi là. Ok. Très bien. Où est donc le départ pour le réacteur Mako? Eh bien, comme je vous disais, si vous avez vu mon let's play sur FF7 original, hein, celui sur PlayStation 1, eh bien, bah, c'est des événements qu'on avait déjà, entrevus. Mais là, on va vraiment revoir un peu sous un autre angle. Hein. Allez, on repart pour l'église d'Aïris. Un nouveau message. Analyse des attaques simultanées. Nous avons découvert que les 5 attaques simultanées qui ont eu lieu, y compris à Junon et Costa del Sol, étaient dues à une organisation anti-Shinra. Le but de cette organisation était de libérer un groupe d'activistes détenus par la Shinra et de prouver sa force. Cependant, grâce à l'intervention rapide du soldat, la situation a été contrôlée sans plus attendre. Même à Junon, qui a été la cible la plus touchée, les dégâts sont restés minimes. Alors je sais que il y a un trophée qui nous demande de construire tous les types de chariots. Sauf que je vois pas comment on peut en construire d'autres. Bon, vu que Iris nous a demandé d'en construire un autre, bon, on verra.
Alors, rapport budgétaire. Après de nombreuses années de recherche, les prototypes des machines de guerre de nouvelle génération sont testés en ce moment dans les bidonvilles. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Une fois que leur production en masse sera possible, cela nous permettra de réduire nos coûts en diminuant le nombre d'humains dans l'infanterie et les soldats. Voici l'impact de ces armes sur le budget prévisionnel. Département de la sécurité publique. 7 milliards de guilds, anciennement 10 milliards. Voilà. Et département de l'armement, 11 milliards de guilds, anciennement 8 milliards. Donc, du coup, ils augmentent sur l'armement et la sécurité publique. Très bien. Given a big task, and I have to leave Midgar for a bit. How long is a bit? Don't know. I see. Can I call you? Of course. And don't worry, I'll be done and back in no time. Hey, can we start now? What? Filling the slums with lots of flowers. It's looking really cute. You think people will buy? Nobody's coming. Now, they're coming. We just need to have a little more patience. I think maybe the wagon isn't all that cute. Oh, a customer! Hey, you there! Need flowers? Just for you? Tingill a pop. These are real flowers, mind you. Don't miss out. Aerith, this customer's offering 5 gil. Sure, any price is fine. No, we need to be aggressive. I'll counter with 7 gil, no less. But the customer just left. I'm sorry, Aerith. Sorry? But why? I'm having a great time. Oh, look, Zack, another customer. Don't worry about Aerith. Protecting the subject is part of the surveillance. You're the only one I can depend on. Hey, why are you laughing? I'm counting on you. Okay. Oh, welcome back. You're in luck. Sephiroth hasn't arrived yet. So, will you wait for him here? Que faire? Ceci est le point de non-retour. S'il vous reste des missions à accomplir ou d'autres affaires à régler, tâchez de vous en occuper avant d'aller plus loin. Bon, allez, c'est parti. I'll be back in Midgar before you know it. I'll see you around. Yeah, see ya. Et s'il le faut, je sauvegarderai sur un autre emplacement. What's up? I'm having a little trouble rounding up the group. We're in a hurry. Let's move it. Sir. What, Cloud?
Together again, huh? All right. Thanks. Hold on. I'll get everyone. By the way, where are we going? To Nibelheim. Eh oui, les amis, on va à Nibelheim. Et chapitre terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sauvegarde sur un autre emplacement ou non? Il se peut que je quitte la Shinra, trophée obtenu. Dans le doute. Allez, dans le doute. On va sauvegarder sur un autre emplacement, on sait jamais. So, how does it feel? To be home after all this time. I have no hometown. I wouldn't know. What about family? My mother's name is Genova. She died shortly after I was born. My father... Why am I talking about this? Come on, let's go. Sephiroth's mother's name is... Genova? Hmm? Ok, alors, obtenir la Materia Phoenix, récompense du premier des 7 mystères de Nibelheim. Ceci permet d'utiliser la technique de transcendance feu résurrecteur en alignant des images de Phoenix dans l'océan. Ok. Ok, bon, ça c'est pour l'émission. Donc il y a 7 mystères de 7 mystères sur Nibelheim. Watch duty is just so boring. You want to practice? Practice? Oh, you mean posing. Soldier always has to be mindful of their public image, right? How was it? Like this? You're getting good. You know, I don't really want to join Soldier. You know, I don't really want... You'll get in trouble for snooping around. Uh-huh. You guys came to investigate this town, right? There's a lot of strange things you can find in this town. We like to call them the town's 7 wonders. Are you guys interested at all? If you're interested, look into it. Are they actually wonders? Or are they hoaxes? The first wonder is... Le premier mystère lately, est... The town's drinking water has sometimes been coming out red. Could it be... blood? Ooh, scary! That can't be right! If you learn the truth about this wonder, please tell me. Ok. Are you one of the soldier people? Hmm? Yeah, Zack, of soldier. First class, mind you. What? Are there a lot of you? First classes? We're a select few. Only 2 of you this time? Yeah, me and Sephiroth. Uh-huh. Well... Uh-huh.
was odd. Très bien. We welcome the Shinra. Ok. Donc on va essayer déjà de faire ces petits mystères. Ah, tiens, on a un petit coffre là-bas. There's a fork in the mountain trail. And one path leads to a dead end where a strange un bombo étrange. Un éther, ok. Putain, d'ailleurs, les éthers. Attendez, est-ce qu'on peut en acheter? Oui. On va en racheter un petit peu. Voilà, ça me semble pas mal. Alors, si on va par là, c'est quoi? Mon Nibel. Alors, pour le moment, on n'a pas besoin encore d'y aller. Ok, donc on a déjà un point de sauvegarde ici. Ça, c'est très très bien. Parler assez féroce. Ah ah. Si ce n'est... Quand tu reviendras, es-tu à Nibelheim en ce moment? Moi, je suis en mission dans un endroit glacial. Au fait, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que tu lisais Loveless quand on était à Costa del Sol. C'était la pièce préférée de Genesis, non? As-tu terminé de la lire? Je parie que tu as trouvé ça ennuyeux à mourir et que tu as arrêté en plein milieu. Loveless se joue à Midgar en ce moment. Allons voir la pièce quand tu seras de retour. Qui sait? Peut-être trouveras-tu les réponses que tu recherches. Fan club de Zach, information exclusive. Nous avons reçu l'info suivante d'un membre de notre réseau. Il y a de gros tournesols sur le maillot de bain préféré de Zach. Ce n'est pas parfait pour un beau jeune homme comme lui. Il a été aperçu en vacances à Costa del Sol. Apparemment, le jour des attaques simultanées, il aurait combattu des ennemis sur la plage avec un parasol. C'est excellent, non? Vu son caractère, on pourrait croire qu'il est du genre à draguer tout ce qui bouge, mais il semblerait qu'il soit très doux et naïf en matière d'amour. Merci à Costume Noir pour l'info. Costume Noir. Alors, Costume Noir, ça serait qui? Je ne sais pas. Oh, no, you don't. Here we go. That's enough. Bye now. This is gonna sting. Conflict resolved. Hop, on en profite pour augmenter un petit peu tout ça. Alors, on peut aller au manoir Shinra direct. Ouais. Si on va par là, on retourne à Nibelheim. Ok, ça nous a fait juste le tour. Très bien. There's a red materia here. Did the color seep out of it? Is that even possible? Ah, vous obtenez une matière de Phoenix. D'accord. Bon, bah écoutez. Impeccable. Du coup, ah oui, on peut plus faire les missions. Ah, on peut plus faire les missions. Phoenix. Ah non, c'est Phoenix. Ah, je croyais que c'était un Bahamut, mais non, c'est Phoenix du coup. Ok. Alors Phoenix, qu'est-ce qu'il fait?
Ensuite, inflige des dégâts qui ignorent la défense magique à tous les ennemis et octroie l'effet bénéfique revit. D'accord. Alors le petit garçon là, il est ouf, il est là. Huh? A materia in the water supply? Aw, that's not very exciting. This next wonder has to be real. Before I tell you. Si j'ai vu le portrait d'une fille au premier étage de l'auberge. Well, hein? Can you go take a look? Second floor of the inn. Hanging on the wall. D'accord. Bon, on va pas à la Sephiroth. We depart for the reactor at dawn. Retire early today. We only need one on watch. Get some rest, men. Ah, that's right. Go visit friends and family, if you wish. Nibelheim. Why is your helmet still on? It's personal. What a weirdo. Eh oui, parce que souvenez-vous, Cloud est originaire de Nibelheim. You never know when monsters will appear, right? Mais don't miss your chance to be a hero. Mais vu qu'il n'a pas réussi à devenir soldat, eh bien, il a un peu honte et c'est pour ça qu'il veut pas retirer son casque. The hero Sephiroth was coming, so I've been waiting here all day with my camera. I want to take a picture of Sephiroth fighting a monster. I have no interest in taking pictures of minor figures. I heard that the hero. I want. I'm going to miss this. Ah oui, donc il y a un point de sauvegarde ici, donc c'est très très bien. Un message de Cloud. Je voulais te dire, on est parti plusieurs fois en mission ensemble et il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Je pensais t'en parler quand on serait dans ma ville natale, mais ça me gêne, alors je te l'envoie par écrit. Le jour où tu as changé de coupe de cheveux et que tu nous as dit bonne chance avant de partir en mission, eh bien sache que je n'oublierai jamais ce moment. Je me souviens de ce que tu as dit, ça me donne du courage. Alors, merci Zach. Good day, sir. Welcome. Ok. Donc on va sauvegarder quand même avant. Parce que si en montant le reste du jeu s'enclenche. Bon, pour le moment ça devrait être bon. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coffre ici? Alors, elle est dit en face du lit. Ah voilà, il y a un portrait. It's a sad painting. And also kind of eerie. Did you see it? It's cute, but also kind of eerie, don't you think? So the second wonder is that girl sometimes leaves the painting and wanders around in our world. Ooh, scary. Oh, way too scary. Any progress yet? So the second that girl. La fille quitterait parfois le tableau pour errer dans ce monde. Watch duty's just. I'll come and talk to you now and then. So be patient. Ah! Là, il n'y a plus personne. It's true. The girl vanished. It's true. La fillette a disparu.
Bon. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici, on va faire la petite sauvegarde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien. Ciao ciao.